c'est le tout meilleur qu'on affectionne dans le milieu underground clermontois, qui nous propulse, pendant la semaine du court-métrage, à la rencontre aussi des musiques actuelles. Sous le chapiteau de l'Electric Palace, nous voici avec un très digne représentant clermontois de la spécialité, Thomas Kahn. Musicalement, je suis porté par le blues, la soul et aussi le reggae. J'ai été bercé par des films comme O Brother ou encore Ray ou Walk the Line qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Les histoires que je raconte des histoires de personnages éphémères, de rencontres que j'ai pu faire ou même de mon histoire à moi, en fait, simplement. Ça va ou quoi ? J'ai commencé la musique il y a à peu près 10-12 ans. J'ai commencé par la guitare, j'ai vite ressenti le besoin de m'exprimer à travers la voix. Et j'ai commencé par imiter des artistes comme Bob Marley, des artistes comme Ray Charles, des artistes comme Johnny Cash, et en essayant de singer un peu leur voix, en fait. Et c'est à travers ces imitations-là que j'ai construit ma voix. Mais c'est du boulot, hein. J'ai mis 10 ans avant de chanter avec ce timbre-là, en fait. Voilà. Sur Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir des structures qui accompagnent correctement les artistes, notamment la coopérative de mai ou le tremplin ou encore le Courria avec Karl. Et ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé à avancer professionnellement, je veux dire, en fait, dans ce milieu. Quand on est à Clermont-Ferrand, on se rend compte qu'il y a un vrai vivier d'artistes, en fait, des artistes qui serrent les coudes. Je fais partie du coup du label Flow Our Coast, où c'est justement des artistes qui se sont réunis pour se porter vers le haut. On doit déployer de l'énergie par nous-mêmes pour trouver des concerts, on doit déployer de l'énergie par nous-mêmes pour être curieux, pour travailler sa musique, rencontrer des gens, en fait. Le réseau, on le crée par nous-mêmes. Thomas Kahn est aujourd'hui ambassadeur de l'Auvergne à Paris grâce à cette reprise d'un titre de Bob Marley qui a fait forte impression lors de l'émission The Voice 2015 où notre artiste a intégré l'équipe de Mika. Aujourd'hui comme hier, la conquête de Paris est toujours un sérieux challenge pour un Auvergnat. Tous nos voeux de réussite. Merci beaucoup.